Elle y risque la prison. Audacin a connu son heure de gloire lors de la 4e saison de la Star Academy, saison où elle était arrivée en demi-finale. Depuis, la chanteuse originaire de Toulouse accumule les problèmes avec la justice. L'affaire remonte à avril 2011. Pendant près de 2 ans, la candidate de la saison 4 de la Star Academy Audacin s'occupe d'un couple de personnes âgées. Selon la justice, dans ce rôle, la jeune femme de 39 ans va en profiter pour se servir dans leur compte en banque. La somme est importante, près de 24,000 euros. Rapidement, Oda est donc poursuivie en justice pour usage de chèques contrefaits et falsifiés, et vol facilité par les circonstances d'extrême vulnérabilité de la victime. La chanteuse toulousaine conteste alors en bloc les accusations. En vain, le tribunal correctionnel, puis la cour d'appel, la condamne à 18 mois de prison avec sursis, une mise à l'épreuve et l'obligation de rembourser aux héritiers des victimes la somme de 30,000 euros. L'affaire aurait pu s'arrêter là. Mais 5 ans plus tard, selon la dépêche du Midi, Oda aurait épuisé ses agents de probation. Elle ne se serait pas rendue à des rendez-vous prévus par la décision du tribunal, elle n'aurait pas non plus remboursé l'argent aux victimes. Alors la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Toulouse a mis un terme à son sursis. L'ancienne candidate est désormais sous le coup d'une condamnation à 18 mois de prison, qui cette fois-ci pourrait être ferme. Selon son avocat, Audacin aurait des soucis de santé. Interrogé par le quotidien.